On n'enchaîne pas la parole de Dieu. Paul l'affirme alors qu'il est en prison, enchaîné comme un malfaiteur. Son crime, avoir annoncé la bonne nouvelle. Jésus-Christ sauveur, ressuscité d'entre les morts. Frères et sœurs, la parole de Dieu est souverainement libre, sa miséricorde infinie. Naaman, il est au centre de la première lecture de ce dimanche, était un homme de guerre. Son pays, la Syrie, l'ennemi juré d'Israël. Or, c'est à lui, ce guerrier auréolé de victoire, cet ennemi, que Dieu manifesta sa compassion en le guérissant de la lèpre. Désormais, le Dieu d'Israël sera son Dieu. Il est le Dieu de tous. L'évangile du jour le corrobore. Les 10 lépreux guéris par Jésus méritaient-ils autant ou plus que Naaman la miséricorde du Seigneur? Rien ne l'indique. Pourtant, ils sont guéris sans avoir explicitement demandé de l'être. Tous les 10, un seul revient rendre grâce. On apprend qu'il est samaritain, c'est-à-dire doublement exclu par la maladie et par ses origines, un étranger selon les propres termes de Jésus. Les 9 autres des Juifs sont allés devant les prêtres, conformément à ce que leur a dit Jésus et conformément à la loi. Leur conduite donne à penser qu'ils révèlent la loi et l'observent au point d'en oublier de remercier celui qui les a guéris. Le Samaritain, lui aussi, connaît les obligations légales et pourtant il revient sur ses pas pour dire non seulement merci, mais pour se prosterner devant Jésus et glorifier Dieu à pleine voix. Frères et sœurs, quelle portée donner aujourd'hui à cet épisode? Vise-t-il à montrer l'ingratitude des hommes devant les bienfaits de Dieu, à relativiser le poids de la loi, à lever le rideau qu'elle fait tomber sur la miséricorde du Seigneur? Frères et sœurs, nous avons tous des idées sur Dieu, nous avons tous des attentes quant à Dieu. Et puis voilà qu'au détour d'une rencontre, d'une maladie, d'un imprévu, une parole jusque-là inconnue ou absconse devient soudain révélation, événement. Alors la vie prend une nouvelle direction, l'existence est bouleversée. Souviens-toi de Jésus-Christ, conseille Paul à Timothée. Souviens-toi de ce que je t'ai enseigné, la mémoire est au cœur de la foi d'Israël. Frères et sœurs, faire mémoire, c'est se mettre en route, avancer, marcher à la suite de Jésus. C'est célébrer les merveilles de Dieu comme le moine Isaac le Syrien, un des grands spirituels de l'Orient chrétien. Le Seigneur l'encourageait à prendre note de ses consolations, à en conserver la trace. Tu en auras besoin plus tard, plus tard. À l'heure de la désolation ou du doute, se souvenir des consolations de Dieu aide à rester dans l'espérance. Souviens-toi de Jésus-Christ. Sa parole, le temps ne l'use pas. Bien que combattu, attaqué, menacé, elle est toujours vivante et vivifiante. Certains veulent l'étouffer violemment parfois. De tragiques exemples l'attestent. D'autres, plus sournoisement, prétendent confiner l'Église dans un coin de sacristie, cantonner la foi dans le réduit du privé. Frères et sœurs, s'opposer à la tendance à réduire la religion au domaine privé mobilisa toute la vie du bienheureux cardinal Newman, dont nous célébrons aujourd'hui la fête. À notre époque, estime Benoît XVI, le prix à payer pour la fidélité à l'Évangile n'est plus la condamnation à mort par pendaison ou par écartèlement, mais cela entraîne souvent d'être exclu, ridiculisé ou caricaturé. Reste que comme Paul emprisonné, nous ne pouvons renoncer au devoir de proclamer le Christ ressuscité. Une proclamation qui, comme au temps de Paul, prend la forme d'un bon combat. Car l'annonce de l'Évangile n'est pas neutre, rappelait récemment le pape François. On n'enchaîne pas la parole de Dieu. On n'enchaîne pas une parole qui prend des chemins déroutants, rapproche l'inapprochable, guérit l'exclu,
le marginal, quel que soit le poids de leur passé et l'écart de leurs différences. Une parole déroutante parce qu'elle ne relève d'aucun système. Une parole puissante qui guérit et qui sauve, sans exclusion aucune. Les 10 lépreux furent guéris. Le Samaritain, lui, a été sauvé. « Ta foi t'a sauvé », lui dit Jésus. Reprenant mot pour mot ce qu'il avait dit à la pécheresse dans la maison de Simon le pharisien et à l'hémorroïde qui depuis 12 ans souffrait de perte de sang. Le salut est distinct de la guérison. Dans cette coalition des marginaux, comme on l'a désigné, Luc nous invite à discerner la préfiguration d'un salut qui, sans encore déborder les frontières d'Israël, englobe tout ce que les purs, rejetés et condamnés irrémédiablement. Frères et sœurs, gare aux irrémédiables exclusions. Le pape François ne cesse de le marteler, plaidant pour une église sans chaîne et sans mur. Une église libre et humble qui ne s'attarde pas dans ses murs sacrés, mais ne se laisse conduire que par sa passion pour annoncer l'Évangile, par le désir de le faire entendre à tous et d'accueillir chacun. Un vibrant appel à ne pas rester enchaîné dans la prison de nos habitudes et de nos lâchetés. Frères et sœurs, quand Paul réconforte Timothée, l'exhorte à croire qu'on n'enchaîne pas la parole de Dieu, il repense à toute sa vie, aux situations difficiles qu'il a connues, aux efforts qu'elles lui ont imposés. Frères et sœurs, son appel s'adresse à nous aujourd'hui. Annoncez Jésus-Christ Sauveur. Il n'est jamais trop tard pour y répondre. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu es le Dieu qui libère et qui sauve. Donne-nous de suivre ton Fils. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Et un monde nouveau naîtra pour les siècles sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, bienheureux cardinal Newman, Sainte Bernadette, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Seigneur Prince de la Paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi alors que des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine, nous te prions pour la Russie, nous te prions pour l'Europe et le monde. Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants, inspire la sagesse aux gouvernants, change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Maintiens en chacun de nous l'esprit d'amour qui distingue en l'autre un frère, une sœur et non un ennemi. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Avec tous les chrétiens à travers le monde, prions les mots que Jésus nous a enseignés pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ave, Ave, Ave Maria, Ave. À Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.
Comme hier aux Samaritains, le Seigneur dit à chacun d'entre nous qui l'avons rencontré, « Relève-toi et va, frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Thank you.